Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en plus parce qu'on est nous sur télévision nationale d'Haïti dans le sens. Son plaisir vous nous rejoindre nous pour l'autre numéro mis au point. Là, nous allons aller droit direct dans le Sénat République là. Regardez la réalité Sénat. Et avec votre budget, il passe dans le même terme dans tous les deux branches parlementaires. Ça les dit document pour rejoindre l'exécutif pour publication, pour suite nécessaire. Donc on va poser la question, est-ce que c'est nécessaire pour nous donner un budget rectificatif le dia? Pour qui ça budget rectificatif ça? Et nous avons tout parlementaire qui était dans le Sénat. Hier soir, on a suivi d'ailleurs en direct sur la télévision nationale d'Haïti. En pile parlementaire, quoi, il y a des désaffectations qui ont été faites pour qui ça a été nécessaire. Et heureusement, Mathieu, c'est président de la commission finance, l'honorable sénateur Jean-Rigaud Bélizac avec nous. Et puis, nous pourrons oublier parler de déclaration politique générale, premier ministre nommé, Jean-Henri Séan. Comment ça y est? Est-ce que le cabinet ministériel a été informé? Est-ce que le sénateur paraît pour recevoir une notaire Séan semaine ça? C'est entre autres points pour parler de l'émission aujourd'hui. L'honorable sénateur Bélizac, bonjour, bienvenue sur téléspectateurs. TNH et nous saluons toute population grande instant et toute population haïtienne en général. Bien sûr, la suivi instant, en plus discussion, débat était long, ça a passé. Donc, c'est un très bel débat. Donc, nous connaissons dans l'Assemblée des sénateurs, c'est effectivement un espace de débat côté et tout collègue, si j'ai à débattre pour tout collègue par point de vue, et surtout nous capter comme question d'intérêt national qui c'est la question des budgets, et même si c'est un budget rectificatif, nous croyons que c'était très intéressant. Nous verrons que tout collègue essaie à poser problème département et aussi problème pays. Alors, l'Ouest, il y a un sénateur Sénatus qui te voit les pieds par rapport à la question route qui te doit faite pour le département lien. Ça veut retirer le problème vous le sud. Ben, ça te fait un gros problème, bien sûr. Nous comprenons, collègues Sénatus, cependant, pour ne pas poser comme ça, c'est pour une question de retirer le COB dans tel département, pour dans tel département. Le gain allocation pour tel projet et ou capable si il y a un problème qui pose que pour exécuter la période là, pas oublier, nous sommes à 2 mois de la fin de l'exercice et le ministre Travaux Publics de Chita avec nous et actuellement au niveau Grand Sud, un ensemble de routes qui étaient endommagées par cyclone Mathieu et qui ont des engagements qui prennent par le ministère, par ministère Travaux Publics pour qu'ils fassent travail ça en régie, étant donné des appels d'offres qui viennent pour faire sur route Pernier et la boule pour que j'en abouti et qu'elle a abouti dans l'exercice 17-18, et bien le ministre a discuté avec nous pour que nous soyons capables de permettre d'utiliser les moyens de manière immédiate pour résoudre le problème au niveau grand site. Mm-hmm. Qui constitue jusqu'à présent un problème. Imaginons depuis le cyclone Mathieu, où ça a endommagé, il n'y a pas qu'à réparer à cause des moyens. Étant donné que l'appel d'offre là pour près, eh bien, il est demandé pour nous mettre à disposition moyens ça pour résoudre le problème là au niveau grand site. Contrairement à sa collègue sénatrice, parce que ce n'est pas ni sénateur, ni député qui fait des affectations, c'est plutôt sous demande du ministre de l'Agriculture des affectations ça fait, puisqu'il explique 2019, à partir de ce moment-là, le budget de 2019, là, nous sommes capables de mettre des fonds disponibles pour faire travailler ça. Et ma tout d'abord, explication, collègue sénateur, le montant de 200 millions de gouttes n'est pas suffisant pour faire travailler ça. Et nous-mêmes, nous avons un engagement en tant que sénateur pour nous un vrai montant pour réaliser pour faire ça, pour qu'elle réalise. Et finalement, collègue sénateur, c'est arrivé d'accord avec nous. Il y a un sénateur Augustin Tout du Nord-Ouest qui t'a bourré les pieds. Qui croit bon. Que nous, pas, nous négligeons le budget rectificatif. Bon, moi-même, je crois que le budget rectificatif, là, c'est le budget 17-18. Là, si un problème qui n'est pas posé au préalable dans le budget 17-18, là, bah, comment on va résoudre le problème ça à quelques jours de la fin de l'exercice. Donc, c'est vraiment qu'on comprend ensemble des collègues qui ont revendiqué pour le département. Mais moi-même, d'ailleurs, nous avons une vision beaucoup plus globale des choses. Il faut que nous, le pays en général, il faut que nous disions, bon, développement tout département dans le pays, parce que Haïti son seul pays lié par plusieurs pays. Donc moi-même, c'est ça, moi-même, discuter avec les collègues. Le n'a fait analyse budget, mais généralement budget initial, pour que tout collègue au Kachita pour poser problème, non, pas seulement avec sénateur et député, parce que imaginez, c'est exécutif là qui vient prérogatif pour monter budget. Si l'exécutif a fini de monter un budget et que nous-mêmes, sénateurs et députés, nous disons, nous avons désaffecté tout fonds. Alors,
que le budget a monté en fonction de la vision et en fonction de programme que le gouvernement a gagné. Donc là, ça, parce que nous avons posé des problèmes. Mais moi, je pense que le budget doit monter en fonction des priorités. Par exemple, le gouvernement doit dire dans tel budget, de prioriser tel département pour résoudre tel problème dans tel département. Mais faire un système de patchage, comme disait, dans chaque département, on fait un petit projet généralement qui ne pas vraiment mener un pays à quel côté pour dire qu'il y a un effort global qui fait. Si nous regardons l'autre pays, si par exemple, un problème est à résoudre dans tel département, il résout le problème. Après, on connaît le problème, ça finit de résoudre. Après, il y a un autre département. Par exemple, si nous prenons la question du département de la Grande, ces collègues doivent poser, mais il faut que tous les collègues, que vous soyez en nord-ouest, nord-est, centre, ou bien nord, etc., il faut qu'à comprendre que la Grande, c'est le pour le pays. Pour nous voir comment nous avons réhabilité le département, et cela sous toute forme, en termes d'infrastructure, et également même au niveau économique. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons des interventions qui sont à partir des budgets nationaux, là, pour nous voir comment nous sommes capables, grandant ce qui est constitué, grenier au niveau économique pour le pays, pour nous refaire. Parce que normalement, si nous disons, bon, et nous avons fait une approche dans le budget, comme quoi que chaque nègre a mis un petit projet, la caillou, et que en réalité, pas des gros projets qui fait, finalement, n'a toujours été dans la même situation de sous-développement, dans la même situation côté qui a considéré le pays, son pays qui n'a pas une grosse action qui a fait pour orienter vers un développement durable. Mais même, quand on a dit tout le fait que c'est un gradeur, c'est de bonne guerre quoi, de défendre gradeur, ça dit pas. Non, je ne peux pas parler là en tant qu'un collègue qui est dans le gradeur. C'est même genre, tu as un cyclone Sandy qui était passé dans l'Ouest, et je crois que ça a été député, nous te focus nous pour nous voir comment nous résoudre le problème dans l'Ouest. Tu as un tremblement de terre qui était fait dans le département de l'Ouest, laisse à tous les collègues députés à l'époque, eh bien, ils ont tout été focalisés pour comment vous allez résoudre le problème dans l'Ouest. C'est pour une question. Est-ce qu'on soutient dans tel département? Et Voltaire te dit, je crois que nous sommes cosmopolites, si je me rappelle bien. On est tout le 18e siècle, vous êtes d'accord? Oui, voilà, c'est cosmopolite. Nous, ça veut dire, pas grand-chose qui dit un jour, je vais habiter dans le nord-ouest ou bien dans le nord. Ça veut dire que je dois venir peut-être à la fin de ma vie et puis je choisis tel département. Je me dis, ça dit tout département dans le pays, pour moi, c'est le département mieux. Ça veut dire que je vais tout département développé et je vais pays d'Haïti dans la globalité développé. Est-ce que vous avez voté le budget en même temps? Étant donné que les budgets sont question d'intérêt national, il n'est pas vraiment nécessaire pour que chaque fois on vote finir une fête dans la chambre des députés et puis nous dit bon, pour montrer que nous ne pouvons pas voter dans la même chambre et puis nous ne pouvons pas voter dans le sens contraire. C'est ça qui fait que, au niveau de deux commissions, nous développons une synergie pendant notre travail pour nous regarder qui ça qui gagne au niveau chambre des députés, qui ça qui gagne au niveau Sénat République, pour nous faire un travail ensemble en façon pour qu'il n'y ait pas de navette au niveau des budgets rectificatifs. Là, surtout, nous avons quelques jours de la fin de l'exercice et nous avons des préoccupations qui intéressent quel que soit collègue là au niveau de la Chambre des députés, quel que soit collègue là au niveau du Sénat et quel que soit citoyen haïtien qui sont sur ces questions qui intéressent nous tous. Qui sa préoccupation santé, puisque nous avons fait l'exercice, il est obligé de voter au budget rectificatif. Nous avons une grande préoccupation, c'est la rentrée des classes. Nous avons une grosse préoccupation, c'est un ensemble d'employés qui la fonction publique là, qui par exemple tout qui vient des arriérés des salaires et où qu'on est généralement nous n'y a pas même touché gros et que ça va toucher ou pas joindre nous. Donc ça a été préoccupé nous en pile. Nous gagnons par exemple et des on sait des travail en termes d'infrastructure qui a fait au niveau département, il y a des matériels qui ont tout département, mais vos problèmes qui posent, qu'un problème des moyens, l'argent qui permet de travailler au fait normalement, ça vient faire que nous-mêmes nous te focus nous sur préoccupation ça qui nous te dit qui est fondamental parce que nous connaissons normalement dans le budget rectificatif, nous pas un gros projet, nous avons mettre en dans le budget pour que nous temps débloquer l'enfer exercice. Donc on est même si vous avez une situation exceptionnelle, vous avez
budget reconduit, ou qu'on ait effectivement, c'est dans le cadre budget de fonctionnement, c'est pas dans le cadre budget d'investissement. C'est ça que fait, et là, on prend la question de subvention à professeur Sinbaré le 14e mois, subvention à l'autre employé dans la fonction publique, ça peut vraiment intéresser nous pour que nous baille exécutif la moyen pour que les exécutés type de problèmes ça qui vraiment intéressant pour la population. On va parler de manque à gagner une gain tout puisque après 6-7 juillet exécutif n'a pas carrément mettre sur le jugement de gaz encore ça trouve pas de motivation pour dévoter budget rectifié non effectivement ça bon normalement et là nous regarder budget rectificatif là il pas vraiment prendre en compte la question de montée des carburants ça nous pas tellement discuté sur lui mais ça qui préoccupe nous vraiment c'est la situation de précarité de toute population à vivre et au bon rentrée des classes là. Ou bien la question de quitter scolaire, ou bien la question des subventions à enseignants, à parents en général, à élèves tout, qui pourraient le bénéficier, surtout la question des cantines pour tout le monde, ça a été vraiment préoccupé. Mais quelques sénateurs députés, vous avez une envie de faire parler entre nos logiques de budget parce que vous dites. Jean-Marc, il a budget rectifié à Karine Tounet, budget pour le prochain exercice là. Effectivement, hier encore, nous avons discuté avec le ministre financier. Nous croyons que le budget 18-19 a été déjà déposé. Mais il y a un problème à cause des nouveaux gouvernements qui vont le gagner. C'est ça qui fait le budget ça. Et l'exécutif est censé rappeler. Mais actuellement, on travaille avec le ministère des Finances pour que le plus rapidement possible, il y a un budget et des 17-18 là qui t'a voté. C'est ça que fait nous-mêmes, on a encouragé l'exécutif là pour que le Premier ministre Thomé a présenté une déclaration politique générale. Si tout bagaille est conforme, pour le vote pour que même avant la fin de cet exercice, pour que le budget 19 là t'a déposé. Parce que normalement, nous ne pouvons pas avancer avec le budget rectificatif. Hier soir, dans la séance, on a regardé, c'est le sénateur qui a essayé de défendre certains documents. Généralement, c'est le ministre financier, comme démissionnaire, c'est peut-être ça qui explique ça. C'est une anomalie, sénateur Médina. Effectivement, constitutionnellement, ministre financier, ou bien quelle que soit la loi, n'a pas voté dans le Parlement, le ministre a supposé présent pour défendre lui. Mais cependant, le travail qui fait l'analyse budgétaire, généralement, la commission a toujours rencontré avec le ministre pour discuter des ensemble de décisions qu'il prend dans le budget et même dans la loi quelconque. Ça veut dire, normalement, la présence du ministre Vreldak était intéressant pour des questions ponctuelles, mais nous-mêmes, au niveau de la commission, à partir des échanges que nous avons fait dans le cadre d'analyse budgétaire, nous avons vraiment outillé pour nous répondre à ensemble des questions que les collègues ont posées à ensemble des préoccupations, surtout par rapport à les délais que nous gagnons pour le budget rectificatif, ça, qui a été exécuté. Mais surtout, pas nécessaire, sénateur, pour nous dérouler tant de nouveaux gouvernements avant de rectifier le budget. Non, n'oubliez pas, nous, je dis à nous qu'il y a des urgences. Et d'après l'article 165 de la Constitution, tout ministère a pour liquider les affaires en cours, c'est moi le conseil. Pour le budget, nous considérons comme une affaire qui est en cours, qui était déjà déposée en dans le Sénat République et en dans la Chambre députée. Pendant que dit là, le prochain étape, c'est vous l'exécutif là. Effectivement, le budget est voté. Nous croyons que je dis à même, par rapport à l'urgence qui vient, et le bureau du Sénat pral voyelle au niveau de l'exécutif pour publication. Nous allons arrêter trop de temps pour nous venir le 30 septembre, parce que malgré tout, normalement. Généralement, et si un COB, puisque tu as une prévision qui fait, un budget pour le voter, tu as toujours des découvertes bancaires, des découvertes qui cabaillent au niveau des subventions pour les employés de la fonction publique. Nous croyons que déjà, il y a quelques employés de la fonction publique là, qui ont gain temps commencé à jouer une subvention. Ça veut dire normalement, c'est comme si tu as dans une administration ou une entreprise, ou fermer l'exercice. Ça. Donc, cette décision, c'est une décision pour que, si tu as des découvertes qui t'es faites pour que nous-mêmes nous légaliser découvrir ça parce qu'on connaît l'État lui-même il va pas tremper, il faudrait que tout l'État continue à fonctionner. S'il y a des dépenses qui pour faites, il faut que tu es obligé de faire. À partir de vote ça, nous venons censé légaliser ensemble des dépenses. Une question de déficit budgétaire à tout, nous tenons compte de ça. Nous pas tellement préoccupés de déficit puisque normalement ça sont questions économiques liées.
te préoccupé là, c'est la question de l'urgence pour gain moyen pour permettre nous exécuter un ensemble de besoins immédiats dans la période de, d'ici à 37 ans. On va quitter la question budgétaire, on va garder l'aspect vote, déclaration, vote ou pas. Déclaration politique générale pour le ministre de Jean Isséan. Le ministre a confirmé sur le computer hier, il a déposé des documents au niveau du Sénat République, 35 exemplaires. Sénateur Lambert, président du Sénat, a confirmé le tout. Comment ça y est? Vous n'avez pas connaissance des documents? Vous êtes arrivé dans le bureau? Bon, effectivement, et pendant hier, moi-même personnellement, j'ai une grande préoccupation en tant que président de la commission de finances, qui c'est votre budget rectificatif. Là. Même des documents, effectivement, là, circulé dans le Sénat, et de même touché une nade. Mais malheureusement, il n'y a pas aucune lecture de lui. Mais ce n'est pas seulement le dépôt de la fête sous cinq ministres qui étaient nommés et qui ont été même collègues députés, qui ont été des ministres qui n'ont pas rempli les conditions pour être ministres. Donc nous-mêmes, nous n'avons pas qu'à quitter à contenter nous sous déclaration politique générale là seulement. Il faut que nous analysions le dossier et pour les ministres. Et l'ensemble des ministres. Là, et même des secrétaires d'État. Là, nous faisons continuer à être sous lui parce que nous croyons constitutionnellement c'est. Là, le Parlement n'a pas de prérogative. Ça, c'est le job président, c'est le job premier ministre pour choisir ministre. Maintenant, s'il m'a choisi, si on m'a choisi, on a fait ça, attention, on a dit fait. Ça, c'est des gens qui ont fait des interprétations à partir de eux-mêmes de la Constitution. Mais sinon, malheureusement, pas inconscient, nous avons que la Constitution fait obligation pour un ministre. Il faudrait que vous remplissiez telle condition, il ne faut pas renoncer à la nationalité. Mm. Qui est-ce qui est responsabilité? Ça, c'est le Parlement qui est responsabilité pour analyser le dossier. Ça, ouais. Est-ce que nous sommes obligés de tendre les ministres en fin en poste pour ne pas être éligibles ou bien est-ce que nous devons prendre en la période n'a fait d'analyse de déclaration politique générale là pour nous dire attention, tel ministre ou pas remplir telle condition pour que nous exigeons et président de la République là et pour les ministre qui doit pour faire choix ministre pour dire attention ou pas qu'à choisir tel ministre parce qu'il n'a pas rempli telle condition pour qu'il choisisse tel autre citoyen ici en plastique qui remplit condition. Mais ça, est-ce que ça t'a dérangé tout pour nous faire l'après puisque le président fait l'après, moi crois que ça pourra donner naissance à un ensemble de débats et ça, il t'a capable juger le Parlement comme une sorte de négligence. Comme si. C'est job nous. Parce que normalement, nous-mêmes, nous venons pour nous veiller à ce qu'application de la Constitution pour mon ministre, mais qui condition? Qui est-ce qui pour veiller à ce que le ministre, citoyen, ça remplit condition pour le ministre? Non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est une responsabilité partagée. Mm-hmm. Mais et mon qui croit que ce sont objets de marchandage? Mon qui croit ça, c'est parce qu'il y a un pile mon tout qui a fait marchandage, qui parle les pays à marché, qui parle les pays à normal, il y a un pile mon tout qui t'a remis à chaque occasion pour gon. Un élément qui pouvait être fait dans le pays. Mm-hmm. C'est ça qui fait que vous n'avez pas remis pour analyser la fête au préalable, pour que même gens, dernièrement, remaniement entre 5 ministres, et puis tout le monde a dit tel ministre pas rempli condition, tel ministre rempli condition. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui remettent la situation dans le pays. C'est ça qui fait qu'il a exigé pour que, eh bien, sénateurs tant de déclarations politiques générales pour les ministres. Et pour eux-mêmes, c'est comme si pour les ministres nommés, nous n'avons pas le droit pour nous-mêmes. C'est vrai que en plus sénateur, à partir des rencontres qui fait avec le premier ministre, vous pouvez voter, mais si vous avez un problème technique qui vient de poser. Imaginons si le premier ministre a une double nationalité. Est-ce que nous-mêmes, en tant que sénateur, pour dire puisqu'il finit nommé, n'attendons après et que la population a fait manifestation pour dire que le premier ministre a rempli les conditions, ou bien nous-mêmes, nous devons jouer le rôle, nous, responsabilité constitutionnelle, nous devons jouer le rôle de contrôle, nous devons jouer pour que nous permettent à ce que si un ministre qui est nommé, ou bien le premier ministre qui arrive à nommer, effectivement, lui nommer en bonne et due forme et puis remplir toutes conditions constitutionnelles pour que nous en position qu'il y a. Ça veut dire si le premier ministre ne va pas déposer le cabinet, nous ne pouvons pas attendre. Normalement, nous-mêmes, nous demandons pour le ministre pour qu'il dépose le cabinet ministériel. Pour analyser le dossier chaque ministre, chaque secrétaire d'État, pour nous, est-ce que, conformément à la Constitution, eh bien, citoyens sont capables, ministre ou bien ou pas capable ministre, ou bien est-ce que le premier ministre lui-même est capable pour le ministre. Mais l'analyse, c'est ça, va le bon temps. Mais pour nous, ouais, et pour par exemple, nous avons une commission divisée en sous-commission, pour nous, ouais, exactement, est-ce que mon citoyen lycée haïtien
pour nous est-ce que son citoyen peut payer impoli, pour nous est-ce que citoyen ça lui va gagner une nationalité, mais après son bail qui m'a dit plusieurs jours. Bon, si nous était de charité, c'est d'après. Effectivement, pour nous, regardez bien si un citoyen est abjuré et dédié public. Constitutionnellement, s'il va rien décharger, nous ne pouvons pas accepter le Premier ministre. Mais ça veut dire que nous-mêmes, nous ne pouvons pas rentrer dans une dynamique de Golak. Mais c'est vrai, nous-mêmes, nous, là, pour nous faire payer à fonctionner, mais il faut que respecter les prescrits constitutionnels pour être capable de vivre siéger comme ministre. Ça veut dire qu'il faut que les citoyens, au-dessus de tout soupçon, ça veut dire qu'il faut que nous ne pas dire, bon, pour aucun citoyen, dire à tel nègre ministre, eh bien, pas de ministre, parce que mais tel, mais le table géré font l'État. Eh bien, il n'y a pas de jambes rivées, la Cour des comptes n'y a pas de jambes rivées à la décharge et qu'elle ministre. Mais en même temps, tout moi, je m'ai toujours demandé, collègues sénateurs, collègues députés, que les citoyens occupent en fonction son service, la baille pays, la baille l'État, pour que les charges pour venir de manière rapide. D'accord, les Richard Doré, son stationnaire, qui l'aime quoi que. Ça, c'est un citoyen qui baille opinion, même gens ou même tout, qui baille opinion, même gens n'importe quel citoyen qui va Richard Doré, capable de baille opinion. Même s'il quoi que, bon, ça, c'est une opinion, les d'ailleurs, monsieur Richard Doré, je connais les pas un droit pour l'interpréter comme ça. Mais je dis que la monsieur Gade qui article de la Constitution qui baille parlementaire aux prérogatives. Même article qui dit que nous gagnons pour nous tant de déclarations politiques générales pour les ministres. Même article qui dit voici les conditions qui vous permettent pour un citoyen pour les ministres ou les ministres. C'est même article ça qui va nous provision légale et constitutionnelle pour nous analyser de ces chaque ministre et chaque secrétaire d'État. Je comprends là, nous au Sénat, nous avons une business ou pas fait bac. Depuis par une liste. C'est chaque ministre. Et ça, c'est intérêt national, nous-mêmes, au niveau Sénat et au niveau Chambre des députés. Maintenant, je parle. Parce qu'il faut que ce soit fait sur les normes, sur les principes. Parce que chaque grand citoyen va prendre une constitution pour interpréter de la façon pareille. Soit disant parce que le proche, pour voir, je si je me prends même Richard Doré, si tu es l'autre gouvernement qui n'est pas proche, il t'a exigé pour analyser le dossier. Mais ça, pas qu'on a mis, je fais déjà, et cela te dit. Ça a toujours fait, moi-même, été député, je n'ai pas analysé le dossier gouvernement, je toujours analysé. Dossier chaque domaine. Vous avez une séance, côté de la platifié pour le ministre Jacques Villafontaine, le missionnaire Kounia, que ce soit au niveau de la Chambre des députés, au niveau du Sénat. Depuis le député, c'est un texte qui est intervenu dans la séance, ça y est, qui dit que bon problème, il n'y a pas tant de séances à continuer parce que l'ISP n'est pas privée à temps. Ça doit arriver dans une période où nous faisons expérience, parce que tout d'abord, c'est expérience. Ils ne sont pas arrivés à temps. Par exemple, par la suite, il y a des ministres qui sont soupçonnés, qui n'ont pas rempli les conditions. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas arriver encore dans l'intérêt national. Parce que le pays, ça, des fois, nous avons un pile problème pour nous résoudre. Et si nous ne pas prendre les soins pour que nous fassions le travail, là, les gens pour nous faire, et puis après, nous en prendre, parce que ce n'est pas ça, nous ne parlons pas en pile tout le bagage. Pas prendre peut-être un grand ministre qui n'a pas rempli les conditions, une manifestation après devant le Parlement. Si tout ministre, c'est de gagner quelques secteurs, pas d'accord avec elle. Ministre remplit toutes conditions, laisse ça si des manifestations pas faites, nous-mêmes en tant que sénateurs, en tant que députés, n'a toujours capable de répondre, attention, tel ministre nous gagne dossier, voici les dossiers, les dossiers est conforme. Eh bien, ça t'a fait comprendre que je dis médecin avant bas, c'est pas vrai. Mais si médecin, ça tout passe là, là, remaniement ministériel là, a passé encore pour pouvoir avoir un groupe de députés, soit de l'opposition, soit qui va dans l'opposition, qui dit tel ministre pas en condition, faut que. Et inviter le gouvernement pour une bonne explication comment tel ministre fait et arriver là. Parce que si le premier ministre avec le président a mis le ministre qui prend une condition, pour qu'on est là, c'est comme si c'était trompé ou trompé dans le Parlement, et que finalement, on va dire nous-mêmes au niveau sénat, nous-mêmes au niveau Chambre des députés et Parlement en général, nous allons faire